mental, mettons une pension, là, ils chargent en moyenne 50 $ par jour. Ah, pour garder les chats? Ouais, j'ai Oh, trois OK. chats, 150 par jour pour Oui, un ça mois, fait avec beaucoup. une affaire comme 5 000 $. 5 000 $ pour garder les chats. Eh oui, OK, là. oh, je vais demander à ma soeur, je vais m'arranger. Oui, je pense que ta soeur est gentille, elle pourra les garder, Franz. Ben, c'est parce qu'elle a déjà toute une ménagerie, ma soeur. Oh, mais oui, Franz, là, elle a tout ce qu'il faut. Elle a plein de chats, elle avait deux chiens, là, il y en reste Voilà. un. OK. Fais penser à D'accord, moi, là. toi, quand je pars mes affaires, là, je suis toujours un peu cherché. Je comprends. Là, j'ai commencé. Tu vas voir comment je fais ça. Tout le long de la route, toi, tu regardes, seulement tu écoutes. Puis tu vas voir. OK. Je vais mettre quand même le GPS à cause des travaux. Parfois, si, Oui, parce que c'est toujours plus il dur. y a un peu. C'est de chez nous à chez toi. Ouais, c'est ça. T'es habitué maintenant. Allô, 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 allô. Bonjour. Comment vous allez? Bon, là, on va à l'aéroport, ça va chercher la matière. Qu'est-ce que je voulais écrire? L'adresse, l'aéroport. Pierre-Elliott Trudeau. Yule. OK. Dorval. Ah, oh, j'ai dit que comment je vais faire? Comment je vais faire? Je n'ai même pas quoi dormir, mes amis. Je n'ai pas dormi. Ouais, là, je m'en vais chercher ma mère. Elle arrive Allez en aujourd'hui. direction ouest sur Huguet vers rue Collerette. OK. Là, j'ai pas de. Ma cafetière est en panne. Ah ouais. J'ai envie de prendre un café à Tim avant qu'on parte. Comme tu veux. Et ouais, je pense qu'on pourrait bien, là. Oh, parce que ça prend quoi, 1 heure, papa, ça? Ben, 45 minutes et puis on va attendre quand elle arrive C'est ça. et puis elle va appeler. C'est ça. J'ai pas pensé de vérifier si l'avion était à l'heure. Ça, je peux demander à Jean-Luc, il va nous dire. Ben avec le téléphone, il doit avoir un moyen. Oui, Jean-Luc, il peut vérifier ça depuis son téléphone. On va prendre un café quand même, t'en Au veux? moins. Oh. Vu là, je dis rien. Je suis. OK, si tu Parce me que suis. c'est moi qui conduis, ben là, c'est les gens qui suivent. OK, d'accord. C'est bon. Donc là, je commence la vidéo maintenant. Tu vas m'écouter, c'est ça? Oh, attends. Fernando, il faut que tu me coupes ça bien là pour que je. C'est mon affaire là, c'est pas bon encore. Hein. Est-ce que ça tient solide là? Tiens ça pour moi, s'il te plaît. Donc comme ça, t'as aimé la sauce à spaghettis? Ben oui, j'ai tout C'était bon, mangé. hein? Mais hein? Mais ça. Ça, c'est québécois, ça, mais Ça, je ça. t'avoue là que la chose qui me manque le plus de ma conjointe qui est décédée, c'est la bouffe. Elle faisait bien la Ah bouffe. oui, c'était un cordon bleu. Cordon bleu, oh là Fait que là, je me là. suis ramassé du jour au lendemain à Ben manger oui, des affaires à manger congelées. d'affaires congelées. Parce que j'ai déjà habité seul, je m'en fais de la bouffe. OK. Mais c'est jamais comme, tu sais, elle. Pamela, comment ça va, épouse Godet? Toi, on doit se voir, hein? Ouais. Ah, OK, il va se taire, c'est bon. Aïe, respectez-le, hein? Vous savez, c'est qui? Ah, c'est le mari de la mater. Vous les connaissez dans les Whitey, là, leur parlage. Bon, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Là, je m'en vais faire des courses à Mounia qui m'a couché. Hey! Mes amis, vous allez bien? J'espère que bien. Moi, je vais super bien. Vous pouvez imaginer, depuis hier nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas fermé. Modup Oke Aka. Comment ça va? J'ai les mamans, les témoignages de ça, vous ne pouvez pas. Mais les mamans disent que de vous tirer toujours les oreilles. J'ai une maman en Suisse, là, ça fait 31 ans, elle est en Suisse. Elle m'a appelé, elle dit, vidéo d'aller chercher les gens au pays, là. D'aller chercher les blédards, là. Ma fille, tu fais ça, mais on dirait que tu ne fais pas ça bien. Tu parles, mais on dirait que tu ne parles pas fort.
Parce que si tu parlais fort là, il a dit, mais maman, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours parlé. La température, ça va? Tu es bien? Oh, oui, c'est bon. Moi, je pense qu'il fait un peu chaud. On va réduire un peu pour voir. On va se prendre un petit café et puis. Elle dit, mais tu parles, mais c'est comme tu parles pas fort. D'accord? Merci beaucoup. Elle dit, parce que si tu parlais assez fort, là, si vous parlez assez fort, nos soeurs n'allaient pas faire cette erreur-là maintenant. Merci beaucoup. Yama Rachel vous a laissé un message. Hey, Aïdara Touré, pourquoi tu ne peux pas trop commenter? Elle dit que, je dis, maman, on donne les conseils depuis qu'on est venu sur les réseaux sociaux. Souvent, quand on donne les conseils, on dit, oh, tu es chose. Comment ils ont une expression là? C'est comme si tu n'as pas une forte estime de toi. Toujours en train de mettre les whitey en haut. Vous savez, comme on a un whitey à côté, on fait un code. Lui-même, il comprend quoi dedans, mais il ne comprend rien dedans. Il ne comprend rien. Vous savez que eux, c'est les nyamou, eux, ils comprennent rien. Voilà, ah, ok, t'es au boulot, ok. Donc, comme ça, t'as son numéro? Appelle-le pour moi, s'il te plaît. Lance l'appel et puis tu vas me le passer, s'il te plaît. Tu vas le mettre sur le parleur, s'il veut. T'es sûr de trouver ça? Aïe, aïe, aïe. Donc, quand je disais ça, je dis, maman, j'ai toujours donné des conseils. Nora, ouais, pas, tu as mis dedans. Hein? Je te donne des conseils, mais souvent quand on donne des conseils, oui, c'est vrai, la majorité des femmes prennent mes conseils. Elles prennent, parce que j'ai une. Ça dit le même message, on le passe. Vous avez écouté le message de ma coach. Ma coach, ma prestigieuse coach. Allô, chérie? Ça va? Ouais, je suis en direct là. On s'en va là avec Fernando là. C'est bon, tu voulais me parler? Je suis pas encore arrivée loin. Hein? Pas grand-chose. Ok, quand je finis, je vais t'appeler. On va se mettre dans le coin là. Il avait dit qu'il fallait vérifier pour voir si le vol était quitté, quelque chose comme ça. Voilà, faut le rappeler parce que lui, il ne sait pas vérifier ça. Faut vérifier. Ok, merci. C'est bon. Donc, comme je disais, Vanessa Ossé, je te rappelle après le direct, ma fille. Je t'ai appelé, ma Juju. Je t'ai appelé. Je vais te rappeler après le direct. Donc, qu'est-ce que je disais? Ma coach Mada. Vous avez écouté le message de coach Mada? Elle a dit le mariage, c'est la discipline. Voilà. C'est l'organisation, c'est la discipline. C'est le direct même que j'avais fait la veille là. Voilà. C'est un genre comme ça, un genre comme ça. Voilà. Maintenant, dans le lot de toute cette affaire-là, mes amis, j'ai une impactée qui m'a rejoint. Elle est ici, à Montréal. Elle est une résidente. Voilà. Ok, c'est bon. Elle est une résidente canadienne. Et puis bon, elle a croisé un de nos frères ici. Un sangbès, comme on les appelle. Il est là, non, à parler en côte. Mes amis, elle a croisé le sangbès. C'est Jean-Luc. Oui, j'ai eu. À quelle heure? 11h05. Ah, ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. Ok.
C'était 11h. Ok, c'est bon. D'accord, merci. Comment ça? Elle m'avait dit midi. Elle t'avait dit midi? Oui, correct. Ben, c'est correct, là, on va être correct. Quand elle va arriver, elle va appeler, c'est tout. Bon, c'est ça. Si on n'est pas arrivé, ben, elle va attendre. Elle va attendre, là, c'est ben, ça. Ben, moi, elle m'avait bien dit midi. Mm-hmm. Je n'ai pas vérifié son billet. C'est correct, parce que là, c'est pas grave. Midi, 11h, on est déjà rendu, là. Donc, comme je disais, et comme a dit Coach Mada, elle a tout expliqué. Bon, Dame Kavia, elle est fracassante. Elle a dit pour elle, chocho. Voilà. Bon, comme le YT est là, elle a sauté les phrases. Pourquoi il va trop comprendre dans le code? Oh, tu vas le payer? Ben oui. Ben, je pourrais le payer. Ben, je peux le payer aussi. Ben oui, tu peux, ouais, tu peux le payer. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi, je vais juste prendre un café moyen, ordinaire. Là. Tu vas prendre un moyen? Ouais. Moi, je vais prendre un latte. C'est bon, tu peux prendre? Oh, ouais. Parce qu'il y en a assez. Ouais, je pense qu'il y en a assez. Il n'y en a pas assez. J'en ai encore un. Non, non, il y en a assez. J'en garde toujours un petit peu de. Pas beaucoup de comptant. Pas beaucoup de comptant. On marche toujours avec les cartes maintenant. Mais hein. Oui, on fonctionne avec les cartes. Hein. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, bonjour. Je peux avoir un moyen latte avec deux sucres et un moyen ordinaire, c'est ça, hein? Foncé? Un moyen latte, vous m'avez dit? Oui, un moyen latte avec deux sucres, avec un foncé torréfaction foncé. Ouais. Et un moitié? Non, un café torréfaction moyen. OK. OK, avec un moyen café, qu'est-ce qu'on met dedans? Exactement. Lait. Du lait pardon? Seulement. Il veut juste du lait. Combien de lait t'en veux? Il veut deux laits. Deux laits dedans. OK. Un moyen café original avec deux laits dedans. Exact. C'est ça. Ça va être complet? Complet. Pendant 5,58. Merci. Dominique Bailly, comment ça va? Donc, elle a dit ça. Celle-là, elle a croisé, elle a dit, Dame Gavia, elle est là, elle a fracassé. Elle a fracassé, elle a dit, mon cher, ta femme même n'a même pas besoin de choses là, l'amour, là, dans le foyer. Mais je pense qu'on a besoin d'amour quand même un peu. Parce que si on n'a pas, s'il n'y a pas l'amour, comment cette personne-là, tu conjugues avec la personne, c'est difficile quand même. Ça prend l'amour pour être ensemble, selon moi. Maintenant, ça dépend de comment chacun exprime l'amour. Voilà, c'est là que la différence se fait. Et une mariée, elle a dit qu'elle a croisé un de nos frères ici, mes chères soeurs. Elle a croisé le frère. Le frère n'a pas les baisses. Donc, le frère n'a pas les baisses ici. Elle demande mon avis à tout ce qui est en train de venir. Il dit, mais ce qui est en train de venir, il y a longtemps, ça y est là. Il y a longtemps, tout ce qui est en train de venir, c'est juste que ce cas-là, c'est fracassant. C'est pour ça que ça fait boum sur la toile ou bien... Oui, comme je dis, la vidéo a fait près de 100 et quelques mille vues en une, en 24 heures. Mais, je viens demander votre avis. Elle m'a demandé, je lui ai dit, bon, que ce soit ici, que ce soit au pays, s'il veut être mauvais, il va être mauvais, mais une chose est sûre. Moi, j'avais déjà fait des vidéos par le passé, j'ai dit, les 5 baisses aussi qui sont ici, là. On peut les regarder aussi. C'est ce que moi je dis. C'est ça. On peut regarder les 5 baisses. Honnêtement, moi je préfère 5 baisses ici que d'aller chercher un blédard. Mes amis, aller chercher un blédard, ça englobe beaucoup de choses. Léa Dablé, comment ça va? Aller chercher un blédard. Le 5 baisse, j'ai d'abord donné les pour ou contre du 5 baisse. Oui, c'est vrai. Le 5 baisse. Nora Awefa en train de dire quoi là? Oui, non, mais écoutez, laissez le 5 baisse se débrouiller. Un instant. Merci. Allons fou. Merci. Là, je comprends rien. Tu comprends rien? Pourquoi je peux pas aller sur
Tu t'en allais chercher quelque chose? Mais je voulais voir sur WhatsApp son billet, mais là, Ben là, c'est pas grave, il me là. sort ça, puis je suis pas capable de. Non, c'est pas grave, c'est correct. D'accord. Le sang baisse, comme je dis. Le sang baisse, souvent, il a déjà fait une expérience ici. Je prends un pays comme les États-Unis, tu tombes sur un sang baisse là-bas. Souvent, il a trimé là-bas. Il l'a fait même des années déjà. C'est donc mais non. Il a fait des années là-bas. Oh, Maddie Lawson, comment ça va? Vous comprenez? Souvent, il a fait des années. Il a fait 5 ans. Il a fait 6 ans. Il est déjà parfois coupé même du pays. Ce sang baisse là. Et puis toi. Et puis toi, ouais, après des choses, on dirait qu'il a laissé. Il a laissé ça. Maintenant, on n'a pas demandé des muffins. Nous, on a demandé du café. Je sais pas que c'est long. Je pense qu'elle s'est trompée. Ah ouais. Je crois que je vais revenir sur le sujet. Assez. Ouais, mes amis, je dis que le sang baisse. Je prends un sang baisse aux États. Le sang baisse aux États. Souvent, il a fait 5 ans. Souvent, il a fait 6 ans. Il a fait 7 ans. Il a fait une dizaine d'années. Le sang baisse ici. Il a fait une dizaine d'années. Parfois même, il est un peu coupé du monde là-bas. Moi, je crois que le sang baisse que tu prends ici, là, tu as le moyen même. Ça dit, Karine Ngongan, comment ça va? Tu as le, ça dit que le moyen de mettre la main sur le sang baisse ici. Voilà, c'est ce que j'ai dit, le sang baisse. Le latte. Merci. Bon, là, on est parti, là. On est parti. Ouais, ça va direct. Vous comprenez? Tu as le pouvoir de le contrôler ici. Le sang baisse. Tu vas évaluer beaucoup d'aspects de la situation avant véritablement de t'impliquer. Mais fais attention. Comme je disais à la fille, si c'est un sang baisse qui vient d'arriver ici, faut faire attention aussi. Souvent, ils arrivent ici, ils vont te faire croire qu'il n'y a rien au pays là-bas, mais tu vas voir que non. Tu vas voir que non. Donc, fais attention. Un sang baisse qui vient d'arriver, souvent, il a déjà des attaches là-bas. Donc, faites attention aussi. Il y a sang baisse et il y a sang baisse. Donc, moi, ce que je peux dire. C'est vrai, vous ne devez pas être bloqué, bloqué, bloqué quand c'est ici. J'essaie de regarder bien dedans. Mais une chose est sûre, le sang baisse que tu prends ici, s'il veut te faire, il va te faire. Hey, Letty, c'est toi? Oh là là, ma Letty, tu m'as laissé un message, je t'ai répondu, j'ai vu que tu m'en as laissé un autre, on va en parler tantôt. N'oublie pas, par rapport auquel qu'on s'est dit là. Donc c'est ça. Dieu tout son danger. C'est ça. Mais allez le chercher. Souvent même le sang, le sang baisse. Même quand vous vous rencontrez tout et tout, il peut faire les dougoumas. Vous connaissez les dougoumas, non? Voilà. Les rangs de vétébol ou le dougouma. Il fait le dougouma. Il peut avoir un peu, tu comprends? Pour se payer ses choses. Malgré qu'il ait un sang baisse, il peut faire dougouma. Vous comprenez? Mais quand tu te lances chez le blédard, vous comprenez? Aux États-Unis, tu crois le sang baisse, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, il est là. J'ai dit, si tu as une femme là, tu peux l'attraper tout de suite là, tu vas mettre le grappin sur lui, tu vas mettre la main sur lui. C'est le nouveau sang baisse là. Vous devez faire attention. Surtout ici à Montréal. Aux États-Unis, Nora Ouefa, ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ça. En France, où souvent des gens font 5 ans, 6 ans, souvent, sans les baisses. Tu tombes sur lui là-bas, là, mon cher. Si tu veux mettre la main sur lui, tu vas mettre la main sur lui. Ça dit, si tu t'assois sur lui, tu vas t'assois sur lui. C'est ça qu'elle a. Tu es une femme, tu connais ta capacité, tu sais de quoi tu es capable. Vous comprenez?
Mais ici, faites attention. Souvent, ils arrivent même là. Ils ont les gosses, comme je vous ai dit. Ils ont les gosses, mais ils te font croire que non. Et ça dit, mousseau t'a fait. Tu comprends? Ils te font croire qu'il n'y a pas de mousseau. Et puis, tu t'engages après, tu te rends compte que peu de temps après, mousseau, Denio, tout le monde vient. Pas mes enfants. Donc, faites très attention, les villageois. Mais les blédards, mes amis, on n'a qu'à se dire. Le blédard, c'est toi qui enlèves tout. C'est ça. Ah oui, suivez en classe, hein. Suivez en classe. C'est toi qui enlèves tout, jusqu'à l'aiguille. Souvent, le blédard est même pris. Elle dit, attends, moi, le lave est codé. Je dis, vous êtes trop affairés, quoi. C'est ça. Tu vas tout acheter. Je connaissais une là-bas, à Londres. Les papillons ont retardé. Elle a loué une maison pour le blédard pendant 2 ans. 2 ans et demi qu'elle a loué la maison. Le temps que le blédard arrive. Mais aujourd'hui, ils sont séparés. Elle a dépensé l'argent. Les gosses sont coincées. On ne sait pas pour quelle raison. Parce qu'elle avait un statut, comment on appelle ça? Elle avait un statut de Française. Donc, quand ils étaient en train de faire les papiers, quand les Britanniques traitaient les baisses, ça dit, il y avait ça dit, comment on appelle ce truc-là? Quoi de vis là? Il y avait un problème dedans. Ils ne se rendaient pas compte. C'est à la troisième fois. Mais pendant ce temps-là, elle a dépensé l'argent sur ce blédard-là. Mais aujourd'hui, le blé est arrivé là. Ça ne marche plus. Ah, mais c'est ça. Mais certains de nos soeurs font ça. Elles louent la maison pour le blé. Elles enlèvent le blé dans la galère et puis elles le mettent quelque part. Moi, je connais une. Le temps qu'elle a marié le blé, elle a enlevé le blé dans sa famille. Ces maisons qu'elle avait, elle a pris une dedans, elle a déjà donné au blé. C'est-à-dire, elle engraisse le blédard depuis le pays déjà. Vous comprenez? Je sais qu'après le White va me demander, mais ce que tu disais, c'était quoi? C'était quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour ça que je dis, faut soupeser. Faut soupeser. Wallahi, moi, on met un sang baisse ici. Moi, je t'attrape. Je vais te mettre le grappin dessus. Tu peux pas. Je vais te cadenas. Vous comprenez? Je vais te cadenas. Je connais ma force de frappe. Je suis une femme. Je sais où y aller toucher. C'est ça. C'est clair. On a une amie qui est à Atlanta, oui. Oui, Atlanta. Elle avait fait un ho-ho par rapport au Ken. Tu comprends? Un Ken pour payer pour faire le frouli là-bas. D'accord? Elle a donné premier argent. Mes amis, après le frouli, où est l'argent là? Elle a transformé ça. Un matin, là, le gars a goûté là, c'est fini. Il dit, mais là, c'est le love maintenant. Dès qu'il a goûté là, c'était plus à faire de payer pour le frouli. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu te sais, tu connais ta force de frappe, tu sais qui tu es là. Tu ne peux pas prendre le sang, parce que c'est puis toi, il va t'échapper. Et puis, il va aller encore à Babi pour prendre une autre là, pour venir sous tes yeux ici. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a des éléments que tu as. Voilà, le frouli au blanc. Elle a fait ça. Elle a payé. Voilà. Vous savez que. Aux États, ça coûte cher, hein? Donc, quand notre soeur là me demande, je dis, moi, c'est à toi de voir. Dans tous les cas, quand ils n'ont pas de baisse,
Ils sont gentils, c'est clair. Ils sont gentils, ils sont bien. Donc, c'est à chaque femme d'être prudente. De bien regarder ses choix. Vous comprenez? C'est ça que vous aurez voulu un direct de France. Est-ce que tu sais que je t'ai rendu à 121? Hein? Je t'ai rendu à 121 là. Je t'ai appelé le feu d'adresse. C'est sûr que ma vie suivi. Yeah, c'est ça. Il y en a toujours qui vont moins vite, il y en a toujours qui vont plus vite. Ouais, ouais. J'ai même payé un ticket la semaine passée. Là, ça, c'est une chose que jamais. Ben, c'est sûr dans que là où vous habitez, c'est difficile de pogner un ticket. Dans mes vies, j'en ai pogné un. Ouais, j'avais peut-être 20 ans. Mais là-bas, c'est au village, j'avais pas de policiers. Faut que je pogne pas ça, des tickets de vitesse, parce que je fais toujours attention. Puis ouais. Ça, c'est mes vies rock'n'roll de l'époque, là. Mm-hmm. J'ai roulé pendant 6 ans sans permis. Vous êtes vrai? Ouais. Comment ça? Ben, parce que j'ai perdu mon permis pour conduire dans l'état d'ébriété. Oh! Ça va okay. Faire bientôt 29 ans, j'ai arrêté de consommer. Ok, ça. C'est bon, c'est bon. Mais, vous riez, arrêtez beaucoup là-bas. D'accord, ok, c'est bon. Bon, mes chers amis, je vous aime bien. Je pense que je suis pas inspirée. Je suis inspirée pour vous aider. Hein, mon beau pays. T'es-tu content? Ben oui, j'ai hâte. T'as hâte, hein? J'ai hâte de la serrer dans mes bras. Oh, bon. Bon. Hein? Ah! Puis, tu m'avais dit quoi? Que tout le monde voulait, tout le monde te disait, ah, t'as pas un frère? T'as pas un frère là-bas? C'est ça, les amis, à un moment, c'est ça qu'elle te disait? Ben oui, je te demandais tout s'il y avait moyen de trouver. Et s'il y avait moyen un autre tremblé à marier. Un autre tremblé à marier. Mais ben moi, là, j'avoue que ça m'a vraiment pris par surprise. Oh, Sylvia, que... comment tu vas avec la Léonie Kouba du Bétard? À 68 ans, j'avais jamais été mariée, puis là, là, tu sais... Mais puis là, là, tu t'es mariée, tu étais vite, content? Vite en plus, là, tu sais. Mon Dieu, t'as eu beaucoup d'émotions le jour du mariage, j'ai vu ça, hein? J'ai vu ça dans ta face. Alors, je sais qu'avec ta mère, on va être bien tous les deux, parce qu'on a le goût d'être bien. Oh, vous allez être bien parce que vous avez le goût d'être bien. C'est ça. Il n'y a pas d'âge hein, pour avoir la femme. C'est pas une femme qui est compliquée, non. Puis moi non plus. Ma mère n'est pas compliquée. C'est ça. Elle est douce. Elle est douce et elle n'est pas compliquée. En tout cas, nous aussi, on est contents. Parce qu'on a vu que tu es quelqu'un de bien. Ouais, puis il y a. Et puis tu m'as prouvé que tu aimes ma mère, donc je ne peux que t'apporter mon affection aussi. Disons que les chances qu'on se rencontre étaient quand même très minimes. Ah, il va repasser à la tête d'un temps. Vous savez qu'on ne dit pas trop. Il va repasser à tout le temps. Ah, ah oui, les chances étaient minimes. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de hasard. Ah oui, il n'y a pas de hasard. Non. Ah oui, comment ça? Parce que... Et pourquoi j'avais décidé que ce site-là, j'abandonnais, puis ils ont réussi à avoir mon numéro de carte de crédit, puis me réabonner. Merci pour volonté. Les étoiles. Merci pour la personne qui m'a envoyé les étoiles. C'est ça que tu m'as dit. Je t'ai vu le jour que tu es venu avec un gros bouquet de fleurs le premier jour. Ouais. Ouais, c'était émouvant. Ben, l'affaire qui était plus drôle, c'est que dans ce temps-là, mon GPS ne marchait pas. Fait que moi, toujours me souvenir de la première rencontre dans un stationnement de Caisse populaire des Jardins. Ah, ouais, c'est ça. C'était là le premier jour des rencarts. Ouais. C'est ça que je disais à ta mère cette semaine. Je disais à l'aéroport, là, pour moi, c'est quasiment comme si c'était une deuxième première rencontre. Ah, ouais? Ça fait tellement, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis, ben oui, ça fait combien? Un mois et demi, deux mois? 45 jours. 45 jours, t'as compté? À peu près, ben, c'est parce que j'enregistrais tous les soirs le journal Afrique. Même quand le téléphone sonne, le chat, il savait que le téléphone sonnait le matin? Oui. Ah, ouais?
comment ça? J'enregistrais tous les jours Journal Afrique. Fait que là, je voyais le nombre de jours qu'il était parti. Ah! T'avais enregistré le Journal d'Afrique. Oui, à minuit et 15 à tous les soirs à Télé 5. OK, TV5. Je l'écoutais avec ta mère, ben que là, je tiens à savoir combien de jours qu'elle est partie. Parce que je l'enregistre à tous les soirs, je ne l'ai pas arrêté, tu sais. Là, j'ai été rendu hier à 43 jours. Mais je pense qu'il y a 2 jours que je l'ai arrêté parce que j'enregistrais autre chose en même temps. T'sais. Oh, t'as dû te sentir seul, hein? Mais là, ta mère, elle me dit, on va regarder ça. Ben, je pense pas que ça t'intéresse, bébé, de regarder les nouvelles de plein mois et demi. Ben oui, ben oui, plein mois et demi. OK, je comprends. T'as pas vrai comme écouter une nouvelle TVA plein mois et demi, là. Oh, c'est bon. Tout ça, c'est fini, là. À partir de ce soir, tout ça, c'est fini. Vous et les trois chats, vous allez commencer à regarder la télé ensemble. Oh, les mots du chat, pas les trois chats. Pendant les 40 jours, là, ils ont... Il y a 40 jours, c'est ça qu'ils ont cherché ma mère dans la maison, hein? Ouais, puis ils sont venus coucher avec moi, là, pour la première fois hier soir. Vous dites vrai? Depuis qu'elle est partie? Habituellement, ils couchent tout le temps avec moi, puis là, depuis qu'elle est partie, ils couchent là. Ah ouais, depuis qu'elle est partie, il couchait ailleurs et puis du coup il couchait ailleurs puis il venait coucher. Il y en a une qui venait le matin quand le soleil se levait, puis vers 9h, là sont là les trois. Mais la nuit, là, avant, il venait tout le temps, puis là, il venait plus. Là, pour faire exprès, il vient hier. Et là, puis il vient hier. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Là, je la regarde, je dis, hey, t'es pas chanceux, tu t'es choisi à donner la soirée. Demain, là, tu seras pas là, il va y avoir une madame à ta place. Ça vous intéresse ce qu'il dit? Il dit, les trois chats. Depuis que ma mère est partie, les trois chats la cherchaient dans la maison. Ils ont trois chats. Donc, les trois chats la cherchaient. Et puis, c'est hier. C'est lequel qui est venu? Un seul ou bien les deux? Juste un. Il dit, juste un est venu se coucher. Là, dans le lit, c'est ça qu'il lui a dit. Profite bien parce que c'est ta dernière nuit ici. Ah, là encore. Il a dit, profite bien de cette nuit parce que c'est ta dernière nuit. Demain, il y aura une madame là. Fini le chat. Fini. Ah, là encore. Vraiment. Non, mais c'est bien. Moi, ce que j'ai juste apprécié, au moins là, c'est la solitude, c'est tout. Au moins, la solitude va être brisée, chacun passe du temps, vous faites du jardinage. Ma mère a dit qu'elle devait envoyer les gombos, des affaires comme ça en venant, pour faire son jardin en été. Ah, c'est ça, je vais acheter une serre parce que... Voilà, il faut que tu achètes. J'ai déjà essayé comme ça, puis ça ne marche pas, les animaux, ils bouffent. Ah oui, c'est ça. Oh non, c'est Guy qui est drôle, il est drôle, il est drôle, il est très gentil. Et monsieur est gentil. Il est généreux, hein, le mari à ma mère, ça je vous le dis. Il trouve que lui, il a eu beaucoup de chance de l'avoir, mais nous aussi, on dit qu'on est chanceux de l'avoir. Et monsieur est très gentil. Mm-hmm. Il est gentil, sa soeur est gentille, tout et tout. Ouais, le beau père chou. Elle est gentille, sa sœur est très gentille. Comme ouais. Une bonne famille québécoise, donc, simple. Ouais, ouais, simple, en tout cas, simple, simple, simple. Des gens bien, en tout cas. Mes amis, je vais vous laisser. Voilà qu'on n'a pas encore fait des dégâts, c'est mieux de les laisser comme ça. Oui. Ouais, là, c'est vrai que je crois qu'elle est là. Oui, il a empêché. Ben, si elle parlait trop fort, si elle voulait framponner, il allait être un peu déconcerté. Donc, j'ai préféré laisser comme ça. Et puis mettre un peu du mou vers la fin. D'accord. Qui a dit de répondre, moi? J'ai dit Kael Brou, t'as posé une question? J'ai pas vu. Ouais. C'est le papy, le papy. C'est maintenant il a appris à manipuler WhatsApp. Hein? Sinon, tu ne connaissais pas WhatsApp. C'est ma mère qui t'a montré ça. Hein? Ouais. Le WhatsApp, il ne connaissait pas. C'est quand il a connu ma mère, il a découvert le WhatsApp. Parce que lui, il ne connaissait que Messenger. Mais Messenger, là, ça ne marche pas tout le temps. Et puis là, c'est quel réseau que vous aviez utilisé tout le temps? C'était quoi? Messenger, WhatsApp? Ouais. C'est lequel? WhatsApp. WhatsApp, c'était mieux, hein? Ouais, ben, des fois, c'est arrivé qu'on a communiqué avec Messenger aussi. Des fois, des Messenger.
OK, c'est bon. On n'avait pas tant besoin que ça de communiquer par Internet. On m'appelait sur les 45 jours, on s'est appelé au moins 38, 39 jours. Ah, vous vous êtes appelé 39 jours? Au moins. Au moins. Directement ou bien sur WhatsApp? WhatsApp. OK, c'est ça. Bon, c'est bon, au moins là. Elle aussi, elle a profité. Ouais, merci beaucoup. Elle a profité. Coco, elle m'a dit que sa maison était comme le sanctuaire. Ses vieilles camarades venaient là tout le temps pour jaser. Ouais. Les vieilles amies de ma mère. Chacune venait pour chercher. J'espère juste qu'elle s'ennuiera pas trop. Ah, ben, elle va s'ennuyer un peu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je pense que elle va s'ennuyer absolument, parce que moi, je ne veux pas être tout le temps là-bas. Hein. Ah, il va falloir que vous vous trouvez des activités. Oh, hein. Inquiète-toi pas. OK, il ne faut pas que je m'inquiète. Oh non, je n'ai pas l'intention de passer mes journées à regarder la télé. Exactement, vous vous organisez, vous pouvez aller au cinéma. Il y a une chose que j'ai parlé avec ma soeur, puis ça va être drôle. Ta mère, as-tu déjà joué aux quilles? Jamais joué aux quilles. Vous allez aller... On va l'amener jouer aux quilles, ça va être drôle. Amenez-la jouer aux quilles, vous prenez des photos, vous nous envoyez. Sortez. Fais un effort pour la faire sortir l'hiver. Faut pas qu'elle reste. Quand j'ai dit ça, ma soeur France, elle dit « Oh, je veux y aller avec vous autres. » C'est ça. Allez jouer aux quilles, là. Ça va être drôle, en tabarnouche. Ah. Ouais, c'est ça. C'est ça. On y va à une fois. C'est tu, hein? Oui, c'est correct. C'est... Ah, je pensais que ton téléphone sonnait. Non, ça sonne pas. On arrive dans 19 minutes. Ben, on va attendre à la place que je t'ai dit, là. Oh, ouais, ça donne rien de... Ça donne rien d'aller payer du stationnement. Moi, je peux payer du stationnement pour un départ. Ah, moi mais aussi, l'arrivée, non. L'arrivée, je me mets dans le coin et puis dès que la personne m'appelle 5 minutes... Même souvent, là, à l'hôpital de Saint-Jérôme, là, quand que j'y allais tous les jours, presque, là, je me stationnais sur les rues avoisinantes. C'était super facile. Ouais. Puis tant qu'à payer 10-12 $ de stationnement toutes les fois, là, tu sais. Donc, c'est bon. En tout cas, je n'ai pas besoin d'aller avec vous. Juste là, vous enlevez mes affaires et vous partez. Mm-hmm. C'est mieux, non? Ah oui. Parce que je travaille la nuit ici, je dois aller. En fait, je voulais aller aider maman à défaire ses bagages, mais je pense que tu peux venir le faire. Pas besoin. Pas besoin, c'est ça. J'en vais dans le camion, on s'en va à la maison. C'est ça. C'est ça. Mes amis, remercions le bon Dieu, mes amis. Voilà, on vous laisse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.